Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des vidéos annexes de World of Draenor. Nous avions vu lors de la précédente vidéo, eh bien tout simplement la libération des ogres qui se sont lancés dans une révolution contre leur tyran, leur maître tyran, à savoir les Ogron, mais en même temps, eh bien aussi une rébellion contre les Gron, et donc, eh bien, les ogres ont pu bâtir l'Empire Gorien, donc cet immense... structure au final qui rassemble l'ensemble de la population ogre, qui a permis de réduire du coup la pression qu'exerçaient les Gron et les Ogron sur les différentes espèces de Draenor, et en même temps eh bien, de commencer à conquérir l'ensemble de Draenor, l'ensemble en fait du monde connu tout simplement. Et donc eh bien, nous avions aussi, par ce faisant, un affaiblissement de la pression sur les orques qui vont être les principaux vainqueurs, j'ai envie de dire, de la rébellion des ogres, après les ogres évidemment, qui eux-mêmes deviennent les conquérants du monde connu. Donc eh bien, les orques eh bien, vont sortir de leur caverne et commencer à conquérir de nouveaux territoires, de nouvelles terres, s'adapter et mieux survivre justement à ces différents endroits. Alors, je vais tout de suite faire un petit point parce que je vais beaucoup en parler. À chaque vidéo pour le moment de Warlord of Draenor, à chaque vidéo sur Draenor, j'ai fait un petit... Il y a eu quelques moments dans la vidéo où je rappelle que bon, il y avait des petites lacunes ou des petites faiblesses dans l'écriture sur certains trucs, mais globalement, c'est vrai que ça n'allait pas hacher la narration de mon côté. Mais nous attaquons l'histoire des orques. Et contrairement aux chapitres précédents, que ce soit les Arakoa, que ce soit les ogres ou que ce soit tout simplement l'origine de Draenor, on est sur des sujets qui n'étaient pas forcément ultra documentés, que dans lequel eh bien, les scénaristes de Warlord of Draenor ont pu, et de Chronicle 2 du coup, ont pu eh bien, créer de nouvelles choses à partir d'anciens, mais il y avait, on va dire, beaucoup de terrain à conquérir, hein. C'était vraiment les ogres, ils pouvaient se régaler, ils ont pu y aller comme ils voulaient, il n'y avait pas de contradiction par rapport à d'anciens récits. Et donc, eh bien, là-dessus, c'est vrai que le seul bémol, c'est toujours de se dire, est-ce que c'est l'histoire de notre Draenor, ou est-ce que c'est l'histoire de la Draenor alternative. Ça, c'est toujours le flou un peu scénaristique qui est embêtant. Mais là, on attaque l'histoire des orques. Et s'il y a bien un truc extrêmement documenté sur Draenor, c'est l'histoire des orques. Donc, eh bien, on va attaquer... la préparation de cette vidéo a créé un profond énervement de ma part, car malheureusement, eh bien, Chronicle, la source principale de ce genre de vidéo, eh bien, se fait du Warlord of Draenor. Hein. On se rappelle que Warlord of Draenor est censé être alternatif, mais bon, on va pas devoir tout réécrire. Hein. C'est beaucoup plus simple de récupérer ce qu'on avait déjà fait. C'est du temps et de l'argent d'économiser. Et le problème, c'est que ce faisant, eh bien, il y a énormément de contradictions, mais surtout aussi de clins d'œil anachroniques dans l'écriture, en fait, hein, dans l'histoire. Là, dit comme ça, vous dites, bah, il va falloir se faire des exemples, Mal'Janir. Ne vous en faites pas, ça va être dans toute la vidéo. Mais donc, je suis désolé, hein, c'est un peu le disclaimer. Désolé, mais c'est vrai que, étant donné que ça va pas être très très bien écrit, bah, il y a beaucoup de moments où je vais devoir faire des parenthèses par rapport à ce qu'on sait, et bah oui, puisque ces histoires-là rentrent en contradiction directe. Puisque, bah, pour le coup, ces histoires-là ont été narrées véritablement par Chronicle 2, et c'est pas forcément ultra bien fait. Notamment, si je peux donner cet exemple-là, dans Chronicle 2, à certains moments, on nous parle, j'en avais déjà parlé un peu dans la précédente vidéo, mais que, en fait, plus vous descendez dans la lignée de Gronde, et plus les races vont rentrer en collectivité. Par exemple, bah, les Gron sont extrêmement solitaires. On avait vu que les Ogron étaient en petite tribu d'Ogron. Les Ogres sont encore plus nombreux. Et dans l'idée, bah, les Orques, comme ils sont plus petits, ils se rassemblent en grande tribu, en grands clans, qui vont, eh bien, encore une fois, c'est vraiment la loi du plus fort pour survivre. C'est soit tu es gigantesque et tu es beaucoup trop fort, soit tu t'unis pour mieux survivre. Et vu que les orques, c'est les plus petits de la lignée de Gronde, eh bien, bah, ils se rassemblent en très grands groupes. Et donc, on a vraiment un comportement extrêmement social chez les orques. Et en fait, pendant le récit, vu qu'on est sur la proto-histoire, voire la préhistoire-proto-histoire des orques, eh bien, on va faire des contradictions. Il va y avoir de la contradiction parce qu'on t'explique qu'ils sont ultra sociaux, mais là, on a envie qu'ils soient séparés pour faire un clin d'œil à... la future histoire des orques, donc ils vont être complètement séparés, et au lieu de dire bah oui, ils sont un peu séparés, il n'y a pas de problème, ils peuvent entretenir encore des relations commerciales même s'ils sont loin et qu'ils sont pas ultra non plus proches les uns des autres, non, il faut rentrer dans des extrêmes, c'est non, ils ne se parlent plus,
Et ensuite, c'est les meilleurs potes. Ensuite, ils se parlent plus. Ensuite, c'est les meilleurs potes. Et ça, moi, ça me fait rager comme pas possible. Mais bon, voilà, c'était un premier exemple. De toute façon, vous en aurez après. Réattaquons l'histoire avec une datation. 800 ans avant l'ouverture de la porte des ténèbres, hein, ça fait pas beaucoup. Mais ça, j'ai envie d'en reparler après. Laissons un peu la narration, puis j'en reparlerai après si j'oublie pas. 800 ans avant l'ouverture de la porte des ténèbres, donc on est en moins 800 par rapport à la chronologie, eh bien la population orque va exploser. Alors quand je dis explosion, c'est pas en mode ils meurent, au contraire, c'est une explosion démographique. On a énormément d'orques qui vont pouvoir se rassembler, puisque globalement, eh bien la conquête, la sortie des grottes des orques fait que, eh bien ils commencent à se répandre sur le territoire de Gorgrond. On y reviendra après avec les cartes, ne vous en faites pas. Et en fait, ils sont tellement nombreux et ils ont tellement en fait à s'adapter à leur environnement. Eh bien, vous savez, quand une espèce est dans un environnement où elle s'épanouit, eh bien, elle va grandir en nombre, elle va faire des enfants. Les enfants vont pas mou vont moins mourir. Il y aura de la nourriture pour tout le monde, il y aura du gibier pour tout le monde, etc. Et donc, petit à petit, eh bien, la population croît. Le problème, c'est que ce faisant, potentiellement, le gibier, justement, va se raréfier, puisque plus de bouches à nourrir, plus de difficultés de nourrir ces nombreuses bouches, si à côté de ça, bah, les autres espèces, elles, ne se développent pas parallèlement. Donc, eh bien, il va y avoir des problèmes de surpopulation qui vont commencer à arriver, et les tensions vont grandir entre différentes communautés orques. Et donc, eh bien, certains orques, pour assurer leur survie, vont commencer à migrer, à se déplacer, qui vont bouger, hein, globalement, et quitter la région de Gorgrond, ou en tout cas, eh bien, partir dans les différents recoins de Draenor. Il y a aussi, bien sûr, c'est pas forcément que une question de survie. Certains ont juste envie d'explorer, envie de découvrir des choses. Je rappelle que les orques, alors, c'est pas précisé là-dessus, mais on sait que les orques, beaucoup d'orques ont un système de vie nomade. Ça, c'est dans les vieilles sources de lore, mais la plupart des orques, étant donné que la plus grande inspiration de la culture orque, c'est tout simplement les Mongols, eh bien forcément, il y a ce côté extrêmement nomade, et notamment le lien avec les loups, etc., qui remplacent les chevaux pour les humains. Eh bien, on sait qu'on a énormément, normalement, de nomadisme chez les orques. Donc, beaucoup vont quitter Gorgrond à la recherche de terres plus fertiles et de plus verts pâturages, dirons-nous. Et donc, eh bien, on va commencer avec les cartes, puisque globalement, eh bien, les communautés qui vont rester autour de Gorgrond vont former certains clans que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est l'origine des clans, en fait, hein, c'est l'origine des clans orques. J'en profite pour rappeler d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les généalogies sur les orques partie 1 et partie 2. Partie 1, on a revu un petit peu la lignée de Grond vis-à-vis des orques et leur couleur de peau. Et la partie 2, les orques, les différents clans orques, justement, en schématisant un peu, parce qu'il y en a 14 des clans majeurs, donc compliqué, enfin majeur et mineur, il y en a 14, sachant que là je vais avoir d'autres clans qui ne sont pas présents dans la généalogie sur les orques, mais je vais en parler. Donc globalement, toute la région qu'on appelle Gorgrond, qui je rappelle d'ailleurs a changé pas mal de noms. Gorgrond à la base devait s'appeler Ashrand, ensuite, enfin encore avant, bah, au final c'est les Blade Edge Mountain, donc les tranchantes. Donc voilà, Gorgrond, mais comprenez que c'est globalement ces régions-là. Eh bien, il y a un clan que l'on connaît très bien, puisque c'est le clan Roche Noire, le clan Black Rock. Nous avons le clan Losing Skull, le crâne ricanant. Nous avons également le clan Dragonmaw, le clan Gueule de Dragon, et enfin le clan Lame de Foudre, les Lightning Blade. Alors, petit point là-dessus, c'est là que vous voyez, c'est la carte de Chronicle 2, et c'est tout simplement, je referai un topo là-dessus sur le côté Chronicle 2 après. Mais globalement, en fait, eh bien, il y a un petit souci. Quoi? Eh bien, Blackrock, Gueule de Dragon, Dragonmaw, pas de souci à ce niveau-là, j'en reparlerai après. Pour ce qui est des crânes ricanants, les crânes ricanants, on sait que c'est du développement qui n'a pas pu être fait à World of Draenor. Les crânes ricanants, que ce soit à Warcraft 2 ou à Burning Crusade, les Losing Skull, sont censés être en Farallon. Et Farallon, ou Farallon, c'est tout simplement ce qui deviendra Rat du Néant. C'est dit dans l'Ascension de la Horde, c'est dit dans Warcraft 2, dans les livres de Warcraft 2, dans Warcraft 2 lui-même. Burning Crusade, vu qu'ils n'ont pas voulu mettre trop d'orcs là-bas, au final on retrouve Mogor et une partie du clan Losing Skull en Agrand, mais pour le coup, c'est pas du tout en Gorgrond. Et ils ont mis en Gorgrond, et pourquoi ils sont en Gorgrond? Parce que dans Warlord of Draenor, vu que Farallon n'a pas pu sortir, et bien tout le développement de la zone de Farallon a été dispatché dans différentes zones de Warlord of Draenor, et notamment la partie de Gorgrond. Sauf que
Il n'y a pas de contrainte de gameplay dans un livre, donc il pouvait tout à fait dire bah Farallon, sachant que dans Chronicle 2, Farallon est bien présente. Et le crâne ricanant a été laissé en Gorgonde. Alors, évidemment, on pourrait dire qu'ils étaient restés là, puis ensuite ils vont conquérir Farallon, tout ça, tout ça. Mais, je veux dire, si vous regardez, quand vous aurez toute la carte après, avec toutes les régions, ils sont restés au même endroit que dans Warlord of Draenor, en fait. Donc, si les crânes ricanants sont en Gorgonde, faut pas commencer à chercher de « oui, mais peut-être parce que c'est après qu'ils ont émigré à Farallon ». Non, c'est que du placement Warlord of Draenor. C'est limite, ils n'ont pas d'histoire. À partir du moment où ils sont installés là, pouf, pause, c'est bon. Ils n'ont plus de déplacement. Donc, non, là, les crânes ricanants, là-dessus, ça va pas du tout. Ils devraient être en Farallon, qui deviendra rat du néant. Et les foutres ici, c'est vraiment juste en hommage à Wood. Sachant que vous regardez le placement, c'est exactement pareil. Hein, le clan Roche-Noir est tout en haut. Le crâne ricanant est plus au sud. C'est exactement à peu près, bon, un peu plus à gauche dans le jeu, mais c'est à peu près là que sont les crânes ricanants. Le clan Lame de Foudre. Si vous ne connaissez pas ce clan, c'est normal. C'est un clan mineur des clans mineurs. Hein. C'est un clan qui n'apparaît que très très peu dans les sources. Il a été évoqué dans le manuel de Beyond the Dark Portal, Warcraft 2 Beyond the Dark Portal. Et en fait, c'est probablement une erreur à l'époque, puisque en fait, c'était une référence. En fait, dans Beyond the Dark Portal, il y avait des clans qui faisaient référence à d'anciens clans. Et par exemple, le clan Thunderlord, le clan Sirtener, faisait référence au Blackrock et à Orgrim Doomhammer. Là, ils ne sont pas ratés. Et en fait, le clan Lame de Foudre, il y a de très grandes chances qu'en fait, c'était tout simplement les Burning Blade, mais qui se sont gourés, sachant qu'à l'époque, c'était pas aussi bien, enfin, j'allais dire pas aussi bien bétonné, mais en vrai... mais dans War 2, il y a eu des petits soucis. Par exemple, si vous n'avez jamais fait gaffe, Kargath a l'image de Kilrog. Alors qu'en fait, c'est Kargath, hein, mais il a l'image de Kilrog. De dessin. Donc il y a des petites erreurs comme ça dans Warcraft 2, et en l'occurrence le clan Lame de Foudre, ça semble être une erreur, le clan Lightning Blade semble être une erreur pour les Burning Blade, donc la lame ardente. D'ailleurs la Lightning Blade reviendra à Vanilla dans le même erreur aussi, dans le côté bon, c'est un peu les Burning Blade, ils ont les mêmes logos, etc. Le clan Lightning Blade sera quand même réutilisé dans le jeu annulé qui est le chef de la rébellion globalement, hein, mais du coup, bah, c'est vrai que ce clan est très étrange et il a été placé un petit peu par erreur et réutilisé plus tard. Mais en vrai, ce clan, ça semble être une grosse erreur. Il a pas vraiment d'histoire en plus, donc bon, voilà. Je sais pas. Enfin, Chronicle a un petit peu voulu flexer en montrant, oui, regardez, il y a le clan Lightning Blade. Alors que concrètement, on s'en fout et ça fait un nom supplémentaire à connaître, alors que c'est à la base une erreur. Bon, il pourrait bien sûr détailler plus. Ce qui serait rigolo, c'est de dire qu'à la base, c'est le même clan. Avec les Lightning Blades sont des renégats du clan Burning Blade, je pense que ce serait plus simple. Ensuite, eh bien, comme on l'a dit, ça c'était les clans qui sont restés en Gorgonde. D'autres clans ont commencé à migrer, notamment vers le sud. Et nous avons eh bien, des clans orques qui vont être attirés par la jungle de Tanaan, qui vont s'adapter à un environnement marécageux et particulièrement rigoureux. Ce qui fait... Alors, pourquoi reste-t-il là si c'est si dangereux? Eh bien, parce que ça vaut le coup. C'est dangereux, mais ça vaut le coup, puisqu'il y a beaucoup de gibier, beaucoup de faune, beaucoup de flore également. Donc, si on arrive à se renforcer, eh bien, on peut se développer efficacement. Alors, donc, ces deux clans-là, nous avons le clan Mâche les Eaux et le clan de l'Orbite Sanglante, hein, donc le clan Bunchwers et le clan Bleeding Hollow. Et je dois faire un petit point, puisque pourquoi ces clans sont présents ici? Eh bien, tout simplement parce qu'à Warlord of Draenor, le clan Orbite Sanglante est à Tanaan, et le clan Mâche les Eaux est également à Tanaan. Eh bien, sachez que ce n'est pas du tout l'endroit où sont censés être ces deux clans. Puisque alors, l'ascension de la Horde, c'est pas vraiment précisé, mais dans Warcraft 2, on sait que le clan Bleeding Hollow est présent plutôt dans la forêt de Terrokar, donc beaucoup plus au sud-ouest. Et d'ailleurs, c'est vraiment sud-ouest, puisque c'est aux portes en fait de Nagrand. Hein. Et vous pouvez le retrouver d'ailleurs dans Burning Crusade, hein, dans la forêt de Terrokar. Et le clan Bunchwers, lui, est plutôt en fait au nord du désert des ossements, d'où le nom, Mâche les Eaux, puisqu'il traîne près du désert des ossements qui est déjà présent dans Warcraft 2, et à la transition vers la vallée d'Ombre Lune, la vallée Shadowmoon. Donc, pourquoi sont-ils là spécifiquement? Alors, pour ce qui est des Bunchwers, à Burning Crusade, vous avez des Bunchwers près de la citadelle de la citadelle des Flammes Infernales, ainsi que l'Orbite Sanglante, puisqu'ils font partie de la Gangrord. Mais c'est pas leur QG, c'est juste qu'à la citadelle
eh bien vous avez tous les clans de la Gangrande. Donc vous avez des Bunchwers, vous avez des Orbites Sanglantes, vous avez des Dragon Maw, vous avez des Shadow Moon, et pourtant jamais vous allez vous dire, bah oui, le clan Shadow Moon, le fameux clan Shadow Moon de Tanaan, jamais vous allez vous dire ça. Et pourtant c'est le cas en fait à ABC, puisque bah, c'est Kargath, hein, le chef des Shatredens, le chef de la main brisée, qui est le chef de la Gangrande et qui va ramener tout le monde là-bas. Donc ils les ont positionnés ici. Autre point à Lord of Draenor, vu que l'Orbite Sanglante devient un gros clan de sauvages, ils se sont dit, bah, dans les marais, ça va aller. Et en plus de ça, bah, Mash les Eaux, en fait, ce clan-là, c'est aussi censé être des tarés et des gros orques sauvages. Mais les Mash les Eaux, en fait, c'est, dans Warlord of Draenor, c'est le clan qui est le premier soutien de Gul'dan. Et en fait, comme vous savez que dans Warlord of Draenor, Kilrog va rejoindre la Gangrande de Gul'dan, et bah, en fait, c'est les deux clans de la Gangrande, en fait. Donc ils sont mis là, pourquoi? Parce que Citadelle des Flammes Infernales, de Warlord of Draenor et de Burning Crusade. J'ai rien d'autre à dire en fait. On les déplace à des endroits où ils sont pas censés être. Bon, voilà. Nous avons d'autres orques qui vont continuer vers le sud et d'autres orques qui vont continuer vers le sud, mais on a aussi d'autres orques qui vont vers l'ouest. Et dans ces orques qui choisissent l'ouest de Gorgrond, ils vont s'installer dans ce qu'on appelle la crête de Givrefeu. Nous avons pour commencer le clan Sirtener, donc on en a déjà parlé un petit peu, les Cenderlords, qui vont s'installer dans les montagnes de l'ouest. Et nous avons ensuite le clan Frostwolf et Whiteclaw, donc le clan Loup de Givre et le clan Griffe Blanche. Si vous ne connaissez pas Griffe Blanche, c'est normal aussi, c'est un clan vraiment très mineur, qui est un peu plus évoqué, d'ailleurs il a été beaucoup plus évoqué je crois dans les livres non canoniques du film, il me semble, avec un autre clan. Et eh bien, le clan Loup de Givre et du coup clan Sirtener, vous les avez vus si vous avez joué à Lord of Draenor, ils sont dans la crête de Givrefeu. Alors petit rappel quand même, hein, sur la carte de Warcraft 2, Givrefeu n'existe pas. Sur la carte, après c'est pas grave, hein, parce que la Draenor a été détruite, donc il y a des zones qui ont disparu, tout ça, tout ça. Le problème avec ça, c'est qu'à la carte de Warcraft 2, pour le coup, les tranchantes existent déjà, les Blade Edge Mountain existent déjà. Et c'est dommage, parce que bah, du coup, on n'en parle pas en fait, hein, parce que dans le délire de Wout, c'est oui, c'est la rencontre entre Gorgrond et Givrefeu qui crée les tranchantes. Mais en fait, les tranchantes sont sur les cartes de War 2 avant que la planète explose. Donc bon, ça c'est toujours embêtant. Mais surtout, le plus embêtant, c'est même pas ça. Parce que là, on pourrait dire oui. Le plus embêtant, c'est que si vous avez lu l'Ascension de la Horde, le clan Loup de Givre est natif de Nagrande. Et il est connu pour vivre dans les montagnes de Nagrande. On va en parler, mais Nagrande, c'est tout au sud. Là, on est au nord-ouest. Il y a un petit souci à ce niveau-là. Et le clan Griffe Blanche est un clan qui vit près des Loups de Givre. Donc il vit aussi en Nagrande. Il ne vit pas ici. Pour le coup, les Cenderlords, ça marche très bien. Ça respecte la carte de War 2. Ils sont sur les Blade Edge Mountain à l'ouest. Donc ça marche. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais encore une fois, c'est Warlord of Draenor qui prend la primauté sur l'ascension de la Horde. Donc la Draenor alternative qui prend le pas sur notre Draenor. Merci Chronicle 2. Nous avons ensuite la région du sud. On en parlait, la région du sud. Avec ce qu'on appelle Talador. Nous avons donc le clan Vent de l'âme, hein, puisqu'ils vont s'installer dans les forêts du sud. Les clairières de Talador, qui je le rappelle, s'appellent dès à présent Terrokar. Depuis que Terok a pris le contrôle de ces forêts, censé s'appeler Terrokar, pas Talador. Mais Chronicle 2 a un petit problème là-dessus, hein, c'est-à-dire que la zone s'appelle Talador avant la naissance de Tala la Megaspore, et ça continue à s'appeler Talador alors que Terrokar a pris le contrôle et que pourtant ils nous disent que la forêt s'appelle Terrokar. Il y a des petits soucis là-dessus au niveau de la cohérence de la zone, ils savent pas trop. Et je rappelle pour ceux qui diraient oui mais c'était Talador et qui devient Terrokar après à la destruction de Draenor, non. Les livres de Warcraft 2 à Burning Crusade et d'ailleurs Burning Crusade elle-même rappellent que la forêt de Terrokar c'est très vieux en fait. Donc bon ça c'est un petit souci. Nous avons donc trois clans. Le clan Vent de l'âme, donc les Blade Winds. Le clan Marche Rouge, donc les Red Walkers. Et qui sont ces deux-là des clans très mineurs. Et nous avons enfin le clan Lame Ardente que j'ai évoqué avant, le clan Burning Blade, qui lui pour le coup est en Nagrande, mais à la frontière entre Talador, hein, entre Terrokar et Nagrande, plus côté Nagrande que Talador, que Terrokar. Et donc le clan Vent de l'âme et le clan Marche Rouge, qui c'est globalement. Alors, désolé, hein, je suis obligé de faire un anachronisme, bon, vous allez me dire, je viens d'en faire un petit peu avant, mais c'est pour bien que vous compreniez quels sont ces clans, parce qu'en fait, c'est pas des clans très importants et très grands, et les seuls
points sur lesquels on les connaît, c'est des événements qui vont arriver bien après en fait. Le clan Vandlame, en fait, il est connu pour être le premier clan qui va vraiment être en porte-à-faux avec les Draenei quand ils vont débarquer. Et le clan Vandlame va beaucoup se foutre sur la tronche avec les Draenei. D'ailleurs, ils vont se faire atomiser par les Draenei. Et c'est le clan Vandlame, dans le clan Vandlame qu'il y a le père de Garona. Voilà, pour ce, enfin, l'un des pères de Garona. Pour ce qui est du clan Marche Rouge, lui, il vient. Le clan Marche Rouge, il vient de, si je ne dis pas de bêtises, c'est soit l'ascension de la Horde, mais c'est surtout dans le livre de Beyond the Dark Portal, donc qui est censé rappeler Warcraft 2, mais à l'époque de Burning Crusade. Et en gros, ce clan-là, il est connu pour avoir dit non à la création de la Horde. En gros, dans l'ascension de la Horde, c'est juste un clan orc qui a dit non à la Horde. Et quand Ner'zhul reprend le contrôle, donc ça, c'est quand Ner'zhul assemble la Horde, mais quand Ner'zhul redevient, enfin, devient le chef de guerre à Warcraft 2 Beyond the Portal, le clan Marche Rouge lui redit non. Donc c'est vraiment le clan qui dit non. Il est connu pour ça, il dit non. Et c'est tout. Donc voilà, la pertinence de mettre ces deux clans-là est étonnante. En soi, moi je suis plutôt content hein, de mettre des clans mineurs pour en parler un petit peu, mais en fait, ils les mettent là et ils ne les développent pas. On les met là parce qu'on flex, vous avez vu, on a tous les clans. On a oublié personne. Mais c'est dommage parce qu'ils ne nous parlent pas de ces clans. Et ces clans, du coup, n'ont aucune histoire. Ça aurait été l'occasion de les développer, mais ils n'ont aucune histoire avant les événements pour lesquels on les connaît, c'est-à-dire l'ascension de la Horde. Au final, nous avons d'autres clans orcs qui vont continuer à migrer vers les extrêmes sud avec le clan Chanteguerre et le clan Ambre-Lune. Le clan Chanteguerre, donc le clan Warsong, qui va partir tout à l'ouest de Nagrand, et le clan Shadowmoon qui va partir tout à l'est vers la région qui portera son nom, à savoir la vallée d'Ombre-Lune, la vallée Shadowmoon. Donc ça, c'est assez intéressant puisque globalement, les Warsong, là à ce moment-là, on nous parle dans Chronicle 2 que quand ils sont tout à l'ouest, ils vont commencer à se mettre sur la gueule avec les ogres, là où les Shadowmoon vont être un peu plus tranquilles et vont s'installer dans cet endroit où ils peuvent admirer les étoiles. Je vous laisse imaginer qu'on est complètement dans du Warlord of Draenor, hein, le clan Chanteguerre qui se fout sur la gueule avec des ogres et le clan Shadowmoon qui peut observer les étoiles, ça c'est totalement du Warlord of Draenor. Et en soi, je tiens à rappeler que je n'ai pas de... Enfin, c'est pas parce que c'est du Wood que instantanément il y a un rejet. Le problème, c'est que Warlord of Draenor, encore une fois, est censé être alternatif. Donc si c'est alternatif, c'est pas notre histoire. Si tout ce qui est dans Wood devient notre histoire, le problème c'est de se dire, est-ce que du coup c'est notre histoire ou pas? Et donc il y a ce côté, on laisse un flou, puis le scénariste il choisit quand ça l'arrange la situation. Ça me gêne. Deuxièmement, si en plus les éléments rentrent en contradiction avec ce qu'on connaît, ça me dérange d'autant plus. Et quand c'est fait avec sans vaseline et que c'est fait n'importe comment, ça m'énerve encore plus. Parce que techniquement, quand on est dans un endroit où il n'y a pas de source, comme je disais, l'Empire Gorien, etc., on connaît 2-3 trucs sur les ogres. Le côté romain des ogres, c'est pas Wood qui l'a créé, hein. Il y avait des War 3 Frozen Throne avec Korgal, je crois, on avait déjà le système de gladiateurs et le système d'arène, etc., qui fait très romain. Et au final, Wood va récupérer ça et le mettre encore plus en avant. Et là-dessus, moi, j'ai aucun problème. Du coup, ça rentre pas en contradiction avec ce qu'on connaissait avant, bien au contraire. Donc, pas de souci, et on va étendre là où il n'y a pas de source. Mais encore une fois, quand c'est balisé et qu'il y a énormément d'infos, aller à contresens pour faire quelque chose de nul, ça a tendance à m'énerver en fait. Et par exemple, les Warsong, je sais que pour beaucoup, si je vous dis Warsong, si je vous dis l'endroit d'où sont les champs de guerre, vous allez vous dire Nagrand, évidemment, Nagrand. Eh bien non. Les Warsong n'ont jamais foutu les pieds en Nagrand dans Warcraft 2, dans Beyond the Dark Portal, dans les livres de et à Burning Crusade. Essayer de trouver du Warsong en Nagrand, il n'y en a pas. Et est-ce que vous savez pourquoi du coup les Warsong à Wood sont positionnés en Nagrand? Cette extension est basée sur qui comme personnage déjà? Bon, vous allez me dire Gros Machel Scream, certes, mais qui fait le passage jusqu'en août, enfin, dans la Draenor alternative? C'est Garrosh. Et il était où Garrosh à Burning Crusade? Il était en Nagrand. Mais est-ce que c'était en tant que Warsong qu'il était là-bas ou en tant que Magar, en tant qu'orque Magar, qui a été exilé avec tous les autres orques qui avaient été affaiblis par la peste rouge, tout ça, tout ça? Du coup, ça n'a. En fait, c'est un hommage à Burning Crusade parce qu'il y a un Warsong en Nagrand qui est en Nagrand parce qu'il a été dégagé, foutu en quarantaine dans un village qui s'appelle Garadar en hommage à un Frostwolf.
qui eux sont natifs de Nagrand. Est-ce que vous vous rendez compte de l'absurdité de la situation? C'est quand même extraordinaire, je trouve. Bon, pour le clan Ambrelune, il n'y a pas de problème. Ils sont là où ils doivent être, donc il n'y a pas de problème. Voici donc la carte avec tous les clans de World of Rain, de Chronicle 2. Donc, encore une fois, le côté alternatif de World of Rain est totalement balayé. Puisque c'est la carte de Wood, hein, en fait. Hein, et vous voyez que la carte de Farallon est... Enfin, l'île de Farallon est tout en haut à droite. Ils pouvaient totalement placer le clan Crâne Ricanant en haut à droite pour corriger le problème qu'il y a eu avec World of Draenor et que Farallon ne soit pas sorti. Mais ce que Chronicle 2 a fait à certains moments, mais pas pour le clan Crâne Ricanant qu'on connaît dans Wood comme étant en Gorgon, donc ils sont en Gorgon. Et donc vous avez tous les clans référencés. Si vous cherchez le clan Shattered End, il n'est pas là, c'est normal, il arrive, il est créé dans World of Draenor, il est tout récent, hein, il est créé dans World of Draenor dans l'ascension de la Horde, donc il n'est pas là, hein, tout simplement. Puisqu'on va respecter Wood, hein, c'est vraiment très important. C'est ça qui me gêne énormément, en fait. C'est que vous êtes sur l'histoire des orques. La primauté des sources, la hiérarchie des sources, devrait être ce qu'on connaît des périodes antérieures et de notre Draenor à nous. Donc, l'ascension de la Horde devrait être... Et pourtant, l'ascension de la Horde, j'ai aussi des trucs à lui dire. Hein, mais ça devrait être l'ascension de la Horde en premier lieu, en fait. La source la plus importante, ça devrait être l'ascension de la Horde. Ensuite, t'as tout ce qui est Warcraft 2, etc. Warcraft 3, Frozen Throne et Burning Crusade, qui sont des situations qui arrivent bien longtemps après. Et en fait, la source prioritaire, c'est Draenor Alternative. Et moi, je ne comprends pas, en fait. C'est marcher sur la tête, en fait. Tu fais à l'envers. C'est un problème là-dessus. Donc, la carte que vous voyez ici, comme je disais, le côté alternatif est totalement balayé. Et le truc, c'est que je pense que beaucoup de joueurs sont pas choqués, en fait, quand ils voient ça. Parce que, vous avez été petit à petit habitué à... les Frostwolves, si je vous dis quelle est la zone de départ des Frostwolves, Givrefeu. Si je vous dis, l'orbite sanglante, ils sont où? Je me rappelle, c'est la jungle de Tanaan, blablabla. Et donc, ça vous choquera pas, parce que c'est le plus récent, donc il n'y a pas ce côté anomalie. Sauf que ça, c'est vraiment la douille de Warlord of Draenor. Et par exemple, le clan Lugivre, pour vous donner encore une fois ce côté très pernicieux et très malsain, le clan Lugivre, dans l'ascension de la Horde, il est dit qu'ils sont originaires de Nagrand et qu'ils vivent en Nagrand. Hein, c'est les montagnes Frostwolf, Nagrand, etc. D'où aussi le fait que vous ayez le Garadar, etc. Chez les Frostwolf. Si on a une carte, la carte Alpha de Wood, d'ailleurs, mettez des Frostwolf également en Nagrand. Mais finalement, ça a été dégagé. Et en fait, quand vous arrivez à Wood en Givrefeu, eh bien vous avez Thrall qui dit « Ah oui, le clan... » Parce qu'on pourrait dire « Bon, c'est alternatif, dans cette timeline, les Lugivres sont pas au même endroit. » Et au final, eh bien, il y a eu des questions comme ça qui avaient été faites à l'époque, en 2014, aux devs en mode « Mais attendez, mais c'est ça n'a aucun sens, le clan Frostwolf, il est originaire de Nagrand, pourquoi vous le foutez en Givrefeu ?» Et en gros, ils ont commencé à faire des carabistouilles en mode « Oui, en fait, on sait que c'est un clan nomade, ce qui est vrai. » Mais le nomadisme, ça veut pas dire je suis en Europe du Nord, je vais de temps en temps en Afrique du Sud, hein. Pas comme ça que ça marche, hein, le nomadisme, faut pas déconner non plus. Et donc chaque saison, ils changeraient entre Givrefeu et Nagrand. Je vous laisse imaginer qu'ils ne passent pas par la mer et qu'ils font tout le chemin. Compliqué, très compliqué quand même. Mais globalement, c'était l'idée qu'ils étaient nomades en Nagrand, qu'ils bougeaient dans tout Nagrand, c'était ça le principe. Et au final, eh bien, donc ils commencent à dire « Oui, c'est le nomadisme. » Bon, on pourrait se dire « Allez, d'accord, c'est le nomadisme. Ils font Givrefeu, Nagrand, sachant que c'était prévu qu'il y ait du Givrefeu et du Nagrand pour les Frostwolves. Bon, d'accord. » Sauf que là, quand t'as ensuite en jeu Thrall qui te dit « Ah oui, Givrefeu, la région natale, la région d'origine des Frostwolves, le berceau des Frostwolves, le berceau des Lugivres, la région de mes parents, etc. » Là, on n'est pas dans du nomadisme. On est sur une réécriture totale et complète. Et quant à Chronicle 2 qui fait « Bon, on pourrait harmoniser le truc en expliquant qu'ils sont nomades, qu'ils vont dans les deux zones. » Ils foutent où les Lugivres? En Givrefeu. Et est-ce qu'ils vont jamais évoquer Nagrand pour les Lugivres? Absolument pas. Et ça me gêne encore une fois. Ça me gêne énormément même. Donc là-dessus, merci Chronicle 2 hein, qui ne fait que canoniser notre Draenor alternatif de Wood qui a été faite avec le cul, avec plein d'erreurs. Mais Chronicle 2 aurait dû faire la part des choses, mais non. Donc, en plus, on est au lendemain de Warlord of Draenor. Hein. L'écriture de Chronicle 2, c'est 2016-2017, donc on est juste après Wood. Donc, dommage. Maintenant, on vous a refait avec Evanessor la carte. Merci encore à lui pour la superbe carte. On a refait un petit peu ça pour vous montrer un peu plus. Alors,
Évidemment, il y a toujours Gorgrond et Givrefeu, on n'a pas pu le fusionner en une seule région. On vous a rapproché Farallon, hein, qui est censé devenir une île quand ça explose. Elle est censée être connectée à la base. Mais on vous a remis les clans à différents endroits en fonction de ce qu'on connaît. Alors, il y a deux points d'interrogation, c'est les roches noires et les gueules de dragon, puisque eux, pour le coup, on ne sait pas où ils sont, d'où ils sont, en fait. On ne sait pas quelle est leur origine. Donc ça, c'est Warlord of Draenor qui va aller dedans, et là, pour le coup, bah, comme on n'a pas de source antérieure, allez-y, pas de souci, il faut que ça reste cohérent, allez-y. Franchement, le clan Blackrock qui vit dans des montagnes, etc., les fout dans les tranchantes, les montagnes du nord de Draenor, ça me semble pas déconnant, hein, ça me semble pas déconnant. Et les gueules de dragon, les Dragonmaw qui vivent à Grim Battle sur Azeroth, donc dans des montagnes encore une fois, et qui chevauchent des rilaks et des grosses bestioles volantes, les foutre dans des montagnes, ça me semble être pertinent. Hein. Donc les mettre à Gorgon, j'aurais plutôt inversé par contre, j'aurais mis plutôt les gueules de dragon tout au nord, et le clan Roche-Noir peut-être un peu plus vers le sud, un peu plus connecté vers les autres clans, vu que le clan Roche-Noir est très réputé par les autres clans. J'aurais inversé les deux, personnellement. Mais c'est vraiment du détail. Les mettre en Gorgrond, hashtag tranchante, moi je pense que c'est une très très bonne idée. Là-dessus, je pense que c'est une excellente idée. On respecte beaucoup plus l'esprit des clans. Par contre, comme vous le voyez, bon bah le clan Sirtener, lui, je le bouge pas, hein, parce que c'est nord-ouest, donc pas de problème. Le clan Crâne Ricanant, donc les Lost Inscale, on les met en Farallon. Vous voyez le clan Main Brisée, là, vous dites, ah bah tiens, bah oui, lui, il est censé, pour le coup, être à l'est, hein, puisque bah, c'est Kargath qui dirige la péninsule des Flammes Infernales. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est le clan d'origine des Chatrenners? En tout cas, c'est le clan où ils ont toujours été mis, donc on les met là-bas. Clan Ombre-Lune, pour le coup, ça change pas. On vous met les Logivres et la Griffe Blanche dans les montagnes de Nagrand, au nord de Nagrand. Le clan Burning Blade, lui, ne change pas, puisqu'à Burning Crusade, il était déjà posé là-bas, donc il est posé là-bas, et Wood respecte la carte de Nagrand quasiment à la lettre, donc ils les ont laissés là-bas. Mash les Eaux, Orbite Sanglante, bah, comme on vous le disait, c'est Terokar, sud-ouest pour les Bleeding Hollow, et le centre-est, ou sud-est, pour les Mash les Eaux. Près du désert des ossements, hein, c'est encore une fois le délire, ils mâchent les eaux, donc ils vont où? Bah, dans des déserts d'ossements, donc près d'Oshindun, et même si Oshindun n'existe pas à ce moment-là, bien sûr. Et le clan donc Warsong, le clan Chant de Guerre, il y a deux endroits dans Warcraft 2 qui sont évoqués, le centre de Draenor, qui serait vers, en gros, Zangar, globalement, entre Zangar, Terokar, et on a la petite île qui est au nord-est, qui deviendra Ashran. Vous allez me dire, il y a deux îles là. Ouais, en fait, l'île d'Ashran, c'est censé être le repère de Deathwing, mais il y avait une deuxième île entre, et qui est en fait une île champ de guerre. Alors, cette île a pu être conquise par la suite. C'est tout à fait envisageable. Mais voilà, je vous mets les deux endroits qui sont localisés champ de guerre, et vous voyez, c'est pas du tout Nagrand. Donc encore une fois, bah, les sources, hein, c'est tout simplement l'Ascension de la Horde, Warcraft 2, Beyond Dark Portal, et les deux novélisations de Warcraft 2, donc l'heure des ténèbres et au-delà de la porte des ténèbres. Et vous voyez quand même qu'il y a des aberrations en fait, hein, il y a des choses, c'est complètement à l'opposé. Et moi, ça a tendance à me crisper, ça a tendance à énormément me crisper. Donc, continuons l'histoire, comme on le disait, les clans vont partir un petit peu dans tous les sens, comme on le voit, et plus ils vont bouger, plus ils vont s'isoler les uns des autres. Et au final, il va y avoir, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Chronicle 2, il va y avoir une fermeture des clans qui vont de moins en moins, c'est même pas de moins en moins, c'est même pas dit comme ça, moi-même j'essaye d'apporter un peu de cohérence au récit, ils vont eh bien, rester dans leur coin, devenir très reclus et ne plus échanger entre les clans. Alors que pourquoi se fermer dans ce truc? Tu évoques encore une fois le fait que oui, ils sont loin les uns des autres, mais pour survivre, ils ont toujours travaillé de concert pour survivre. Vous avez des orques qui sont en Nagrand, vous avez des orques qui sont en Gorgon, vous avez des orques qui sont en Tanaan, vous avez des orques qui sont en Shadowmoon. C'est pas forcément les mêmes pierres, c'est pas forcément le même gibier, c'est pas forcément les mêmes fourrures, pas forcément les mêmes métaux. Il peut y avoir du commerce, il peut y avoir des échanges de matières premières comme l'Homo sapiens faisait, comme les différentes communautés de la préhistoire et de l'Antiquité faisaient. C'est tout à fait faisable. Mais non. Et là, il faut montrer qu'ils sont tous séparés les uns des autres. Et vous allez comprendre très vite pourquoi il y a ce besoin d'exagérer. Bah, mais le problème, c'est que ça ruine la narration, puisque bah, on n'est que dans des extrêmes où ils sont soit tous fermés, soit tous meilleurs potes, et on passe de l'un à l'autre sans transition, donc c'est très 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 compliqué. Mais globalement, eh bien, un rare clan qui va pas mal bouger, c'est quand même le clan Shadowmoon, le clan Ombre-Lune, qui est extrêmement superstitieux et qu'on évoque comme étant des mystiques.
Et ils voyagent à travers le monde, ils font des pèlerinages, et certains d'entre eux ont des visions et des murmures qui les poussent à voyager vers l'ouest, vers Nagrand, vers un endroit très très fort au niveau des éléments, avec tout simplement les restes du corps de Gronde, ce qui deviendra plus tard le trône des éléments. Bon, on pourrait se dire, ok, moi j'ai un petit problème là-dessus, c'est qu'on les appelle mystiques, on les appelle mystiques. Sauf que là, vous dites, bah oui, le chamanisme, tout ça, tout ça. En fait, on a une période où le chamanisme n'existe pas. Donc, ils sont extrêmement mystiques, etc. Et donc, ils avaient une autre religion? Ils avaient d'autres croyances avant? La Chronicle nous dit au contraire, non, c'est vraiment, c'est des sauvages, et là, ils vont découvrir la foi, ils vont découvrir le chamanisme après. Donc, pourquoi mystique? Ça, c'est un clin d'œil anachronique, puisque les Shadow Moon vont devenir les meilleurs chamans, qui parlent aux esprits, etc., etc. Donc, si tu évoques que les Shadow Moon sont mystiques avant de devenir les chamans, bah c'est anachronique. Et c'est dommage. C'est dommage. Et donc, bah, en fait, ils vont découvrir du coup la force des éléments et les esprits en Agrande. Si justement ils deviennent si mystiques, pourquoi ils ne s'installent pas en Agrande? Pourquoi ils ne restent pas en Agrande? C'est ça, vous voyez, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve. Franchement, mais c'est. C'est même pas en contradiction avec des sources avant, c'est juste mauvais en fait. Tu évoques que, ok, ils n'ont pas encore la connexion avec les éléments, mais ils sont déjà mystiques. Pourquoi? Parce que bah, ils ont cette connexion avec les esprits, que certains d'entre eux arrivent à entendre, à voir les esprits de leurs anciens, dans leurs ancêtres et de leurs morts, et que Shadow Moon est un endroit extrêmement sacré pour eux, parce que bah, justement ils ont cette connexion avec les esprits et ils arrivent à entendre les morts, et donc tu es pas sur le chamanisme tel qu'on le connaît, mais tu es sur le début du chamanisme, mais qu'un endroit où eh bien d'autres esprits vont les appeler, finalement bah, c'est en Agrande. Et tu comprends qu'en fait les mecs, bah, ils veulent pas abandonner Shadow Moon, la vallée Shadow Moon, parce que bah, c'est un endroit où ils ont leur connexion avec leurs esprits, leurs ancêtres, etc. Et ils vont en Agrande, et là ils découvrent les éléments terre, qui sont des esprits élémentaires, et avec qui ils peuvent communier également. Et là, t'as la naissance du chamanisme tel qu'on le connaît, ce qui explique le pèlerinage entre les deux zones. Sauf que dans Chronicle 2, on t'explique qu'en fait, bah, Nagrand, c'est vraiment, ouais, c'est là où il y a tout. Donc c'est là où il y a tout, donc en avant là-bas. Et si s'il n'y a rien en Shadow Moon et que tout est en Agrande, un peuple qui, enfin une tribu qui est versée et qui sont quasiment les créateurs du, enfin c'est même pas quasiment, ce sont les créateurs du chamanisme, bah ils s'installent en Agrande en fait. Moi ça je ne comprends pas. Mais bon, du coup les premiers pèlerins orques qui vont Shadow Moon qui vont se rendre sur place vont apprendre à connaître les esprits primordiaux et ils vont avoir une énorme, une grande révérence à leur égard. Ils vont se rendre compte de bah, ils arrivent à comprendre tout de suite que ce sont des êtres extrêmement vieux, extrêmement honorables, extrêmement puissants, qu'ils vont respecter du fond du cœur. Et du coup, et bah, ils vont commencer à les diviniser, hein, vraiment les prier, leur demander des conseils, etc. Et ils vont bâtir ce qu'on appelle le trône des éléments. Donc c'est en gros bah, le temple, le premier temple du chamanisme pour les orques. Sachant que je fais un rappel que Chronicle 2 ne fait pas. Tous les orques ne voient pas et n'entendent pas les esprits. Ça, c'est un truc super important. Parce que bah, si vous faites la quête d'armure des orques, la quête d'armure ancestrale des orques, même si vous jouez un guerrier, vous voyez les esprits, c'est pas le cas, hein. C'est pour ça qu'il y a des chamans en fait. Les chamans sont ceux qui ont été un petit peu bercés et qui ont été touchés par le don de pouvoir entendre et pour les meilleurs d'entre eux, voir les esprits. C'est ça le principe. Donc, tout le monde ne peut pas communier avec les esprits. C'est pas parce que vous êtes un. Après, ça veut pas dire que parce que vous êtes un guerrier orc que vous ne respectez pas la religion, à savoir le chamanisme. C'est juste que vous n'entendez pas directement les esprits. Ce sont les chamans qui ont une connexion directe avec les esprits et les éléments. Et donc, voilà la création du chamanisme à ce moment-là, qui devient la religion principale des orques. Et là, on va avoir un petit problème. Parce que le chamanisme, il faut qu'on arrive à la conclusion où. Bah, tous les orques révèrent et ont adopté le chamanisme. Sauf que on a des clans qui sont extrêmement fermés entre eux et qui n'ont plus aucun rapport entre eux. Comment tu étends ta religion s'il n'y a plus aucun contact entre les orques? Vous rappelez, hein, le fait de mettre une branche d'arbre dans les rayons du vélo, généralement ça fait tomber, hein. Et quand je vous dis qu'on crée des obstacles pour rien,
Du coup, eh bien, les Shadow Moon sont les premiers à se consacrer aux éléments, et donc les premiers chamans. Comme je le disais, ils transforment la tête de Gronde en temple rudimentaire, et ils vont transmettre les enseignements aux autres clans. Hein. Comme je vous le disais, je vous rappelle qu'ils sont super solitaires, ils sont pas censés se mélanger, tout ça, tout ça. Ah là, c'est le problème, hein. C'est vrai que le commerce, c'est exactement ce qui fait qu'on a eu beaucoup de... Comment les religions se sont partagées, se sont étendues dans l'histoire humaine. C'est le commerce, hein, notamment. Le commerce, la guerre aussi, mais le commerce et tous les échanges, tous les rapports entre les êtres, entre les civilisations, entre les cultures, qui fait qu'il va y avoir un mélange. Mais si tu pars d'un principe où tout le monde est ultra bloqué dans son coin, dans toutes les communautés orques sont sous vase clos, bah, il n'y a pas d'échange. Donc comment tu mélanges le chamanisme? Alors, on peut dire, ouais, les Shadow Moon, pour les clans qui sont pas très loin d'eux, s'ils font un pèlerinage jusqu'en Lagrande, ça passe. Bah oui, mais comment tu vas faire ça? Comment tu vas apprendre le chamanisme au Thunderlord? Comment tu vas apprendre le chamanisme au Blackrock? C'est embêtant, ouais. À ce moment-là, c'est embêtant, ouais. Et pourquoi ils se mettent? On pourrait dire, mais pourquoi se mettent-ils un bâton dans les roues comme ça? Et ben on va y revenir après. Parce qu'il y a un rite extrêmement important chez les orques, qui est la création du Kocharg. Et la création du Kocharg, je vais en parler plus longuement après, c'est un festival qui a lieu chaque année. Il y rassemble toutes les tribus orques. Et le Kocharg a été créé pour que les orques, justement, aient plus de rapports entre eux et qu'ils se fassent moins la guerre, puisque les chamans, eh bien, vont avoir un rôle d'arbitre et de conseiller à la fois spirituel mais aussi moraux des orques. Et donc, eh bien, pour éviter que les clans orques se foutent toujours sur la gueule, on a le Kocharg qui fait qu'on va manger, boire, chasser ensemble et que du coup, on développe des liens entre les orques de différents clans. Sauf que, eh ben, si on veut arriver à ça, bah, on pourrait avoir de... Je veux dire, j'essaye de faire des trucs, mais c'est quand même... Il n'y a pas besoin de dire que finalement tu es en vase clos et que tu as aucun échange avec les autres clans pour créer le Kocharg. Justement, ils peuvent se foutre sur la gueule et du coup tu as envie de calmer le jeu. Mais non, Chronicle 2 nous dit non, 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 il n'y a plus de contact entre eux. C'est pour justement faire un clin d'œil anachronique au Kocharg en fait. Et c'est pour ça que le Kocharg va être créé, pour mélanger tout le monde. Sauf que là, le Kocharg n'est pas encore créé. Et du coup, il y a l'échange du chamanisme. C'est très très mal écrit. C'est vraiment très très mal écrit. Et pour des bêtises, hein, vraiment pour rien, mais c'est très mal écrit du coup. Et la suite, eh bien, encore une fois, on va partir sur un clin d'œil anachronique, puisque certains vont avoir... D'autres murmures en fait, hein. Certains chamans ou autres orques d'ailleurs vont avoir des murmures qui ne sont pas forcément les murmures de leurs ancêtres, des esprits ou des éléments, mais des murmures qui viennent directement d'une force très néfaste qui est le vide. Et là, c'est le moment où personnellement, ben, je me dis, ok, qui? Parce que sur Azeroth, on a les dieux très anciens. Il n'y a pas de dieux très anciens sur Draenor. Du coup, qui? Chronicle 2 nous en parle pas, ils ont juste communié en élevant leur esprit, eh bien ils sont rentrés en contact avec des entités du vide. Qui? Alors c'est pas. Alors que c'était très simple, tu as parlé des apogides, etc. Qui est l'entité la plus vide au final de ce qu'on la connaît? C'est Seth. Il y avait juste à relier ça à Seth. Ils sont tombés en contact avec la corruption de Seth, tout ça, et. Le fantôme de Seth ou je sais pas quoi, et boum, les mecs, ça les rend fous, ça les rend parades. Non! Parce que, en fait, tout le délire du vide sur Draenor, eh ben, il est lié aux Naru qui sont en train de passer du côté sombre de la force. Quand un Naru est vidé de son énergie, eh bien, il vire en Naru du vide. Sauf que, à ce moment-là, les Draenei ne sont pas encore arrivés en Draenor. Et le délire des Blafards, puisque c'est l'origine de la création des Blafards, c'est ce moment-là, justement, des orques touchés par le vide. Au lieu de dire, je sais pas, que les Blafards, c'est juste les orques qui sont restés dans les cavernes. Vous savez, tous les orques habitaient les cavernes, plein d'orques sont sortis, peut-être que certains restaient vivre dans les cavernes. Peut-être que d'autres, dans ces orques souterrains, peut-être que certains sont tombés sur les malédictions de Seth et la malédiction qui est déversée dans la flèche, enfin, sur les flèches d'Arrak, tout ça, tout ça. Non, 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 c'est un clin d'œil aux blafards de Wode et donc aux blafards qui vont devenir des blafards à cause de l'énergie des Naru du vide. Naru qui ne sont pas encore là à ce moment-là sur Draenor. C'est pour ça qu'on ne cherche pas à justifier ça avec Seth et qu'on dit oh oui, le vide. Parce que tout ce qui est en rapport avec le vide sur Draenor,
quasiment exclusivement, bah, c'est les narus du vide. Les narus du vide, ou directement, bah, t'es dans le vide. Donc, bah, c'est un petit peu, c'est encore une fois un clin d'œil anachronique. Et bon, globalement, ces orques touchés par le vide vont être bannis de leur clan et vont être forcés de vivre tels des parias, donc chacun dans leur coin. Donc il va y avoir une communauté de blafards qui va se créer, donc ces orques qui ressemblent à des gollums hein, globalement. C'est d'ailleurs la principale aspiration, hein, c'est des orques qui vivent dans les cavernes, qui ressemblent plus à rien, qui sont ultra maigres et qui se déplacent à quatre pattes. Ce sont des gollums hein, globalement. Et ils vont vivre reclus dans les cavernes de Nagrand. Pourquoi spécifiquement que Nagrand? Parce que c'était là la trame des blafards dans World of Draenor, donc eh bien ça va être là-bas. Et au final, eh bien, c'est l'origine du clan Twilighthammer, le futur clan orc Twilighthammer, Marteau du Crépuscule, est connecté depuis le début avec le vide, avec les Blafards. Sachant que dans Wood, ils sont pas que sous Nagrand, mais bon, il fallait dire que Nagrand, parce que c'est là où il y a l'intrigue de Cho'Gath, tout ça, donc c'est que Nagrand. Bah, encore une fois, et d'ailleurs, j'ai pas été jusqu'au bout parce que il y a un petit détail aussi qui est encore une fois un clin d'œil anachronique, c'est qu'ils ressemblent à ça, mais en plus on leur met un tatouage de crâne sur le visage. Ça, c'est un clin d'œil à Ner'zhul qui aura ce truc-là à l'ascension de la Horde, une fois qu'il a été dégagé, etc. Il va se mettre justement ce symbole de crâne sur la tête pour rappeler sa connexion avec les morts, tout ça. Parce que les autres blafards de World of Draenor qui sont pas en Nagrand, eh bien, ce sont aussi des Shadow Moon. Donc le petit lien avec Ner'zhul, tout ça. Donc encore une fois, en fait, c'est juste des clins d'œil anachroniques hein, qui n'ont rien à faire là, mais qui sont faits par hommage au jeu. Donc, c'est le moment où, justement, c'est après tout ça que finalement, eh bien, les chamans vont par magie, finalement, tous les clans arrivent à se connecter entre eux, et donc le chamanisme se répand, et donc, eh bien, tous les chamans font des pèlerinages à un moment donné dans leur vie jusqu'en Nagrand, là où les Shadow Moon les forment, etc. Et au final, eh bien, notamment le QG, hein, le quartier général, c'est le trône des éléments, et au final, comme je l'évoquais un petit peu avant, les chamans vont avoir des rôles très importants au sein des clans. Alors d'ailleurs, petite idée reçue qui peut être faite, c'est qu'on s'imagine qu'il y a un seul chaman par clan. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Il peut y en avoir qu'un seul, mais généralement, tu as le chef des chamans en fait dans un clan et il va apprendre, transmettre son savoir à d'autres jeunes et même d'autres amis qui peuvent être aussi d'autres chamans. Donc il n'y a pas un chaman par clan. Hein. On pourrait croire que c'est ça, par exemple, je sais pas, chez les loups de givre, chez les Frostwolves. On pourrait se dire qu'il n'y avait qu'un seul chaman. Non, c'est pas le cas. Il y en a plusieurs. En plus, il y a un clan qui est très connu pour avoir les plus grands chamans. C'est les Shadow Moon, hein, donc les Ombres Lunes. Mais ça ne veut pas dire que eux, c'est que des chamans. Hein. C'est pareil. C'est pas ça non plus. Donc voilà. Ils ont un rôle de conseiller. Certains, même chefs de clan, sont des chamans. C'est le cas, par exemple, des Ombres Lunes, hein, des Shadow Moon, où les chefs de clan sont généralement des chamans. Mais ça peut varier. Ça dépend. Et au final, ils vont, comme je le disais, avoir un rôle de conseiller politique, un rôle de conseiller spirituel, et généralement, ils vont aussi amener la sagesse de leur connaissance du monde et autres, et leur opinion va être très importante, et ils peuvent arbitrer justement les querelles qu'il peut y avoir au sein du clan, mais aussi avec d'autres clans, pour essayer de calmer un petit peu, j'allais dire calmer les esprits, mais calmer, pas les esprits chamaniques, les esprits des orques, hein, qui sont un peu énervés, qui se foutent sur la gueule à cause du gibier ou quoi que ce soit. On calme un petit peu tout le monde, et finalement, eh bien, voilà, ils vont avoir ce rôle d'arbitre. Et pour continuer à occuper ce rôle d'arbitre, beaucoup plus tard va être créée la cérémonie du Kosharg, ce festival qui permet à tous les clans venus de tout Draenor de se rassembler une fois dans l'année pour pouvoir, eh bien, d'ailleurs je crois que c'est deux fois dans l'année, mais c'est au minimum une fois dans l'année, ils vont pouvoir se rassembler et faire la fête, chasser, faire les gibiers, et généralement c'est là aussi qu'il y aura le rite de passage à l'âge adulte chez les orques qui a lieu aux alentours, c'est entre 10 et 16 ans. Généralement c'est entre 12 et 13 ans, mais bon, c'est une moyenne, donc ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. Donc les orques sont adultes très très tôt, hein, comme la plupart des hommes et même des femmes aussi d'ailleurs, au Moyen-Âge, donc dans un univers médiéval. Donc au final, eh bien, pendant des générations, les clans orques vont vivre en marge de l'Empire Gorien. On retrouve notre Empire Gorien évidemment, même s'ils s'engagent parfois dans des conflits territoriaux occasionnels, mais jamais de guerre totale versus les ogres, hein, jamais de guerre entre les orques et les ogres. Et ça, c'est aussi un point qui est assez marrant dans Chronicle 2, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, je vous ai fait
grand interlude sur le chamanisme, tout ça, tout ça. Dans Chronicle 2, on a les clans, différents clans, les cartes, etc., où on vous parle un petit peu de la spécificité de chaque clan. Mais au final, eh bien, les Warsong, hommage à World of Draenor, eh bien, leur vie est basée sur la guerre avec les ogres, en fonction des générations. Donc, les Warsong, les champs de guerre, se foutent sur la gueule en permanence avec les ogres. Depuis des siècles, ils se foutent sur la gueule avec des ogres. Et vous avez ce passage où on nous dit, non, mais il n'y a pas de guerre totale. Hein. Alors, je comprends, l'idée c'est que tous les orques ne se foutent pas sur la gueule avec les ogres. Sauf que comme à Wood, bah, on a énormément de clans orques qui se sont bâtis en défonçant de l'ogre, bah, c'est aussi le cas dans Chronicle en fait. Et donc quand on nous dit, ouais, il n'y a pas de guerre totale. Hein. Ah non, mais eux, ouais, ils ont dédié leur vie à exterminer de l'ogre. Il n'y a pas de guerre totale. Il n'y a pas de guerre totale. C'est des petits échanges ponctuels. Ces petits échanges ponctuels. Bah, là, ils s'échangent sur la... ils se mettent des coups sur la gueule depuis des siècles, quand même. Avec une grosse haine. Hein. Non, écoutez. Bah oui, c'est le problème, hein, quand tu veux faire de l'hommage à Wood, mais qu'en même temps, tu dois écrire le passé, et que tu essayes de dire qu'il n'y a pas de vraie guerre entre les deux, parce que tu vas... pourquoi c'est fait ça? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se mettent encore un obstacle? Parce que juste après, il va y avoir une guerre totale entre les ogres et les orques. Donc... bah, tu veux faire de l'hommage, mais en même temps, ton hommage n'a aucun sens dans ce que tu veux raconter. Bah, c'est ce qui arrive, c'est des problèmes en permanence. Et au final, pourquoi les ogres se mettent pas trop sur la tronche avec les orques? Parce que pour eux, bah, n'oublions pas que les ogres, à ce moment-là, même si on a vu que les orques sont un peu partout, les ogres restent la race dominante de Draenor. Leur empire est gigantesque, à tel point que si on a du futur contenu sur notre Draenor, l'Outre-Terre, eh bien, on aura probablement le continent ogre au sud, où il sera probablement immense, et on se rendra encore plus compte de la taille de l'Empire Gorien à l'époque, qui a vraiment conquis mais tout l'espace connu, quoi. Donc, pour eux, les orques qui vivent chacun dans leur coin, c'est des petites tribus, c'est la faune locale, quoi. C'est comme nous, quand on voit des pigeons, on n'est pas en train de se dire, on va leur casser la gueule. Donc, c'est un peu le même genre. Les ogres, ils sont... pour eux, les orques, c'est des pigeons. Ils prennent les miettes de la civilisation ogre et en avant. Donc, au final, pour les goriens, pour l'Empire gorien, pour les ogres, les orques ne sont pas une nuisance. Parfois, bien sûr, il y a de l'affrontement, comme on le disait, avec des clans, mais c'est quelque chose d'assez localisé. Et quelques clans. Et au final, eh bien, pas trop de soucis, sachant qu'ils sous-estiment énormément les orques aussi, puisque bah, globalement, les orques sont plus forts au niveau individuel. Et au final, même le chamanisme est assez moqué par les ogres, parce que bon, lever le doigt pour faire souffler un petit peu le vent, bon, c'est bien mignon, mais on n'est pas au niveau des magiciens ogres, quoi. Sauf qu'un jour, eh bien, les ogres vont être témoins du prodige d'un chaman qui va empêcher un véritable raz-de-marée, une inondation terrible qui s'abat sur un village orc. Et les ogres, témoins de ça, vont dire qu'en fait, le chamanisme, c'est peut-être pas si naze. Et ils vont commencer vouloir s'intéresser de près au chamanisme. Et l'impérator, hein, le chef de l'Empire Gorien de l'époque, l'impérator Moloch, l'empereur Moloch, eh bien, va envoyer l'armée, une légion d'ogres qui va chasser les orques en Agrande du trône des éléments, afin justement, eh bien, d'enquêter véritablement sur le pouvoir, l'origine du pouvoir chamanique. Et au final, bah, les orques, ils le prennent très mal, ça, hein, parce que c'est quand même leur lieu saint. Donc si tu les dégages de leur lieu saint, c'est pas cool. Mais bah, ils peuvent rien contre l'Empire Gorien, ils sont totalement impuissants. Les clans locaux peuvent rien faire. On rappelle que c'est l'endroit où, selon Chronicle, les champs de guerre se foutent sur la gueule en permanence avec les ogres. Mais ça sera pas du tout développé. Et voulant s'accaparer de ce lieu de puissance, les ogres vont faire des expériences. Des expériences avec les cristaux apogides, avec leur propre magie arcanique. Et ils vont expérimenter. Sans le savoir, ils savent pas que du coup, eh bien, cet endroit est la dépouille de Gronde, qui est le premier de la lignée des Briseurs, ce qu'on appelle la lignée de Gronde. Hein. Donc ils ne le savent pas, mais ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de très puissant, des éléments, enfin de la magie, parce que bah, la magie titan aussi, donc la magie d'Agramar, donc il y a de la magie arcanique, etc. Et au final, à force de faire des expériences, eh bien, la rencontre
le choc entre les énergies arcaniques de différents types, c'est la prime, enfin on va dire la cosmique pure des titans, celle des apogides qui est aussi teintée un peu d'obscurité, plus leur propre magie assez brutale, plus les énergies élémentaires, sachant que dans les énergies élémentaires bah t'en as 5, hein, donc c'est un véritable surtout qu'en plus ils essayent de siphonner ces énergies pour se renforcer, et bien ça va être un carnage complet. La rencontre de toute cette énergie va exploser, ce qui va entraîner une explosion gigantesque et va tuer tous les ogres sur place et tous ceux qui faisaient les expériences pour l'Impérator. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le moment aussi où on nous dit, alors je suis désolé, hein, encore une fois, je fais une petite parenthèse, mais il y en aura beaucoup, c'est que on nous évoque, ça c'est le problème quand on écrit l'origine d'une histoire qu'on connaît déjà, c'est de tomber dans des problèmes et de se planter en permanence. Et l'idée c'est que bah, vous avez visité Warlord of Draenor en tant que joueur, vous avez visité également Burning Crusade. Et en gros, la carcasse de Gronde, si vous allez en Agrande, vous la voyez pas en fait. Et l'idée, eh bien, c'est de dire que c'est cet événement-là qui va détruire l'endroit, et donc c'est pour ça qu'en fait, vous n'avez pas la même description et que vous découvrez quelque chose qui n'est pas aussi grand. Imaginez la tête de... voire les milliards d'années a été recouvert de montagnes, de pierres, etc. Je rappelle que les montagnes de Nagrand sont censées être le corps de Gronde. Donc, c'est quelque chose de gigantesque. Donc, au final, si nous, à la fin, on a juste 5 pierres poubelles, il faut expliquer. En fait, il faut expliquer. Et des fois, on cherche un peu trop à expliquer. Mais... le problème, c'est que là, par exemple, on a cette explication qui tient complètement la route, hein, le fait qu'il y ait cette explosion qui emporte tout et que du coup, il ne reste plus grand-chose et seulement les pierres, les monolithes que les orques ont posés. Mais en fait, le problème, c'est que la description, ils n'ont pas pu s'en empêcher de nous décrire les lieux. Et en fait, les lieux, il y a quoi ? Il y a des petites cascades avec un petit lac sur lequel la tête de Gronde est posée. Et donc, en gros, cette explosion, elle a juste enlevé la tête, j'allais dire le casque, le crâne. Mais la petite chute d'eau, le petit lac qui est autour, lui il est toujours là. Hein ? Clin d'œil. À Burning Crusade. Sachant que Burning Crusade s'est passé entre 10 et 20 ans après Warcraft 2. Entre temps, le monde de Draenor a explosé. Ce qui aurait peut-être pu changer des choses aussi, hein, quand le monde explose. Et là on est des centaines et des centaines d'années avant l'ascension de la Horde. Donc en gros le lieu n'a pas bougé. Pendant des siècles, l'endroit n'a pas bougé. Prenez des cartes de la France en un siècle, hein. Ça a pas mal changé, hein. Alors, c'est pour ça que on veut tellement rester raccord avec ce qu'on connaît que ça devient ridicule en fait, parce que ça marche pas comme ça. Mais bon, globalement, donc comme on le disait, les ogres sont morts et l'incident va complètement déséquilibrer. En fait, l'explosion va s'en suivre d'autres événements cataclysmiques. Le choix de mots n'est pas inapproprié, vous verrez, qui vont provoquer des tempêtes élémentaires, un dérèglement élémentaire un peu partout sur Draenor, avec des tempêtes, des tsunamis, des séismes, etc. etc. Et donc, eh bien, Moloch, l'Impérator, va envoyer d'autres magiciens pour pouvoir enquêter et continuer l'expérience, hein, de voir un petit peu comment ça se passe, alors que du côté des orques, eh bien, il y a eu la profanation d'un lieu saint, et en plus de ça, eh bien, il y a des bouleversements élémentaires qui frappent le monde, et qui provoquent des drames, bien sûr, hein, des drames avec des séismes qui engloutissent des villages complets, des tsunamis, et donc la sécheresse à certains endroits, il y a des pénuries alimentaires qui vont avoir lieu, et donc, eh bien, c'est assez compliqué. Lors du Kosharg de l'année d'après, le chaman, le chef du clan Ombre-Lune, le chef du clan Shadowmoon, qui s'appelle Nelgarm, eh bien, est très inquiet et va plaider, va essayer de convaincre les autres clans orques de s'unir pour se mettre sur la gueule avec les ogres parce qu'ils font n'importe quoi et c'est carrément l'essence même du monde qui pourrait être en danger. Donc, devant l'appel de Nelgarm, les clans vont s'unir, protégés et bénis par les éléments. L'armée orque, donc enfin les clans orques sont unis pour la première fois de leur histoire et vont marcher ensemble afin de chasser les ogres du trône des éléments, ce qui va faire réagir l'Impérator Moloch, hein, chef de l'Empire Gorien, qui va envoyer ses légions pour repousser les orques. Et là on va rentrer dans une guerre totale complète où les ogres veulent casser cette dynamique, cette unification des orques en allant attaquer les orques un peu partout. Comme ça, pour les forcer à se replier pour défendre leur berceau. Et
s'ils doivent défendre leur terre natale, eh bien ils vont se séparer en multiples clans comme c'était le cas avant, et à ce moment-là les ogres ne feront qu'une bouchée des orques. Sauf que ça va pas marcher, ça va pas marcher tant que ça, les orques vont très bien réagir à cette agression ogre. Et avant d'attaquer l'histoire, j'ai une autre parenthèse à faire évidemment, parce que l'histoire orque, on la connaît plus que d'autres éléments, comme je l'ai déjà dit avant. L'unification de tous les clans orques, c'est sans précédent hein, dans l'histoire orque. Sachant que, autre problème de Chronicle 2, c'est que l'histoire orque est très très courte. Ils ont voulu tellement coller à l'histoire qu'on connaissait qu'au final ils n'ont pas tant étendu que ça, et même ce qui est étendu n'est qu'une reprise de ce qu'on connaît, mais en version différente. Parce que la première unification de tous les clans orques, ça s'appelle l'ascension de la Horde, ce qui va découler au génocide Draenei et qui va aboutir à Warcraft 1. Ça c'est l'ascension de la Horde, c'est l'unification de tous les clans orques. Jamais dans l'histoire orque, un événement d'une telle ampleur avait été créé. C'est dans les sources de l'ascension de la Horde, Warcraft 2, etc. Qu'est-ce que fait Chronicle 2? Ils nous font une proto-ascension de la Horde. Et si vous ne le saviez pas, j'ai découvert cette info très récemment. L'artwork que vous voyez ici, qui est dans Chronicle 2 pour montrer l'ascension de Nelgarm et donc la proto-ascension de la Horde contre les ogres, c'est à la base un artwork pour Warlord of Draenor, avec du coup Durotan au centre, qui... avec probablement Drektar d'ailleurs sur sa droite, qui rassemble les orques pour Warlord of Draenor et contrer Grom, en fait. Donc c'est un artwork pour l'ascension de la Horde. Et vous pouvez encore le voir au niveau de la bannière Shadowmoon, la première. Si vous regardez en haut, il y a du rouge sur la bannière, ça n'a même pas été bien fait, en fait, il y a encore du rouge sur le haut de la bannière. C'est assez hallucinant, en fait, hein. C'est assez hallucinant. Et... Et à côté de ça, les dérèglements élémentaires où un chaman est très inquiet du sort du monde et doit faire quelque chose pour faire en sorte que le monde ne se casse pas, c'est Cataclysme, avec Thrall. Et là, vous avez un chaman extrêmement puissant qui dirige les orques, qui dirige une horde de peuples, hein, la horde des orques, même si elle ne s'appelle pas la horde. Bah, c'est un mélange entre l'ascension de la horde avec Ner'zhul et Thrall à Cataclysme. Donc en gros, vous êtes en train de nous dire que l'histoire qu'on connaît pas des orques, c'est la même qu'après. En faisant ça, bah, ça nuit toute l'action de l'ascension de la Horde et toute l'union des clans. Et ça nuit aussi à Cataclysme et Thrall, en fait. Alors qu'en soi, le fait qu'il y ait eu un affrontement entre les ogres et les orques, pas de problème. Mais il y a ce besoin d'en faire une guerre totale, une sorte de guerre mondiale. Faites ça, régionalisez le coin. Et une bataille sur tout le continent sud, c'est quand même déjà d'une ampleur sans précédent. Hein. Par exemple, les clans orques du nord ne sont pas du tout concernés par cette histoire. Tu mets à la limite les clans frontaliers, c'est là où le Blackrock, par exemple, ça peut être intéressant de les descendre, comme ça tu comprends pourquoi les Blackrock sont assez vénères. Mais tu n'englobes pas tous les clans. Parce que ça, c'est la primauté à l'ascension de la Horde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce besoin de copier pour faire un clin d'œil anachronique qui nuit à l'histoire des orques. Et en plus, l'histoire des orques, elle est ultra resserrée. Il y a 800 ans, ils sont sortis de leur grotte. Ça veut dire que les orques n'ont pas d'histoire, en fait. Il y a 800 ans, ils sont sortis de leur grotte. Mais entre-temps, il a fallu qu'ils se déplacent, tout ça, en termes de génération, se déplacer de continent, etc. Il y a 800 ans, ils sortent de leur grotte. Et on a déjà une proto-ascension de la Horde. Et ensuite, il y aura l'ascension de la Horde. Du coup, l'histoire orque, elle est... cantonné à 800 ans. C'est nul. Tu ne fais pas du tout respirer le récit. Et bah du coup les orques... Enfin je sais pas moi. Je connais pas exactement toute la chronologie humaine. Mais ça s'est fait en millions d'années. Je crois que c'est entre 3 et 5 millions d'années. Ou 6. 3 et 6 millions d'années l'histoire de l'humanité. L'homo sapiens. L'homo sapiens et l'homo. Le genre homo de manière générale. Parce que l'homo sapiens c'est pas 3 millions d'années. Mais de manière générale le genre homo c'est sûr entre 3 et 6 millions d'années je crois. Alors je dis pas qu'il faut coller à ça, mais on calque les orques sur les humains dans l'idée, pour comprendre un petit peu le raisonnement, comment ça s'est passé, etc. Là, ils en sont même pas leur proto-histoire, c'est la préhistoire des orques. Et ils ont déjà un événement... Enfin, est-ce que vous vous rendez compte en fait qu'on ne fait pas respirer le récit? C'est comme si, je sais pas, nous il y a 800 ans, on a fait Lascaux quoi. Ça marche pas, ça marche pas. Et si vous recadrez ça dans un truc médiéval, c'est pareil, ça marche pas. En premier millénaire de notre histoire, de notre calendrier,
Bah, il y a 1000 ans, on n'est pas sorti des grottes, en fait. Donc, là-dessus, je suis pas fan. Je suis pas fan. Et encore une fois, localiser ça juste au clan du Sud, ça pouvait fonctionner. Ça pouvait très bien fonctionner. T'as ton petit clin d'œil, t'as ton petit hommage à l'Ascension de la Horde, mais version moins bien. Alors qu'en faisant ça, bah, du coup, l'Ascension de la Horde, c'est juste la deuxième fois, en fait. Et pas la première fois. Donc, tu nuis à ta propre histoire. En voulant lui rendre hommage, tu détruis ton modèle, en fait. En tout cas, tu minimises son impact. Et ça, c'est pas terrible. Revenons aux événements de la guerre. Donc nous avons les armées ogres, comme je l'ai évoqué, qui attaquent partout. Leur stratégie, c'est vraiment de diviser pour mieux régner. On va attaquer les clans orques un peu partout dans leur fief pour faire en sorte qu'ils défendent leur fief et du coup qu'ils se divisent. Mais finalement, eh bien, ça va pas suffire et les orques vont procéder à une véritable guérilla. Ils vont lancer une série de raids. Je parlais de leur connexion avec les loups noirs de Draenor, eh bien ils vont pouvoir en profiter pour lancer des attaques un peu partout sur les bases ogres. Sachant que ces attaques-là vont être très intéressantes puisqu'ils vont précisément s'attaquer au ravitaillement ogre qui alimente les différentes cités. L'Empire Gorien est basé sur des immenses cités. Vous avez Goria, bien sûr, la capitale, et ensuite vous allez avoir plein de cités comme Aemol, par exemple, ou Fleshlam, etc. Plein de cités qui sont à différents endroits. On avait vu ça sur la carte de l'Empire Gorien la dernière fois. Et donc, eh bien, les séparer les unes des autres, sachant que les ogres, bon, c'est des bons bébés, hein, ils se nourrissent pas au blédina, hein, si tu coupes le ravitaillement, bah, c'est vrai que les ogres, c'est très compliqué d'assurer la connexion entre les différentes cités et l'empire gigantesque Gorien devient un véritable problème. Isoler Goria, la capitale des autres cités, tu retournes complètement la taille démesurée de l'empire Gorien contre elle-même. Et sa taille fait qu'elle devient indéfendable et que du coup les cités vont être totalement isolées. Donc en fait les orques ont retourné la stratégie des ogres contre eux. Et à ce jeu-là, bah, ils gagnent. Les orques, c'est un peuple nomade, donc ils peuvent se repositionner. C'est pas le cas de l'Empire romain, pardon, lapsus, de l'Empire gorien, qui est ultra statique. Et à ce niveau-là, eh bien, c'est compliqué. Et donc, vu que Goria est isolée des autres cités, le siège de la capitale de l'Empire gorien va pouvoir commencer. Goria est attaquée, assiégée pendant de nombreuses semaines, voire mois. Les autres cités sont aussi sous blocus. Ce qui fait que, encore une fois, eh bien, elles ne peuvent pas venir en aide à Goria. Moloch et ses mages vont chercher un moyen de briser le siège, notamment en consultant toute leur bibliothèque et notamment les cristaux apogides pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Et en utilisant les cristaux apogides, ils cherchent partout dans du savoir, etc. Et ils sont un petit peu désespérés et ils vont essayer, eh bien, de trouver une arme pour pouvoir briser les orques. Et ils vont en trouver une avec la malédiction de Seth. En expérimentant sur la malédiction de Seth qui avait touché Anzu, eh bien, ils vont essayer de reproduire on va dire une affliction similaire, et ils vont, eh bien, la lancer dès que ça sera prêt. Ils vont expérimenter un petit peu sur des prisonniers, etc. Puis dès qu'elle sera jugée prête, elle va être libérée sur les orques, ce qu'on appelle la peste rouge. C'est la création de la peste rouge qui va avoir un résultat absolument extraordinaire. Elle va ravager les assaillants, les assiégeurs qui vont eh bien, devoir rompre justement le siège. Leurs rangs sont décimés par la maladie. Ils sont plus en état de se battre. Alors déjà, il y a des morts, hein, bien sûr, mais en plus, même ceux qui survivent sont pas du tout en état, ils ne sont pas aptes au combat. Et ce qui fait que les armées orques sont en train de battre en retraite et le siège est brisé comme les ogres l'ont voulu. Et à ce moment-là, eh bien, les chefs orques certains d'entre eux d'ailleurs sont morts ou sont malades. Et Nelgarm et les chamans vont être totalement désespérés parce que bah, s'ils brisent le siège, une autre situation similaire ne pourra pas se reproduire. Et ça a demandé une planification assez énorme pour justement isoler les cités par rapport à Goria, etc. Isoler Goria et les cités ogres. Donc si Goria ne tombe pas, eh bien tout le travail qui a été fait par les orques tombera à néant et eux-mêmes devront se replier et ils ne pourront pas aider les éléments. Et à ce moment-là, Moloch et les siens vont reprendre leurs expérimentations sur le trône des éléments et ça va continuer en fait à déraper ou à escalader, chacun son avis là-dessus, et du coup les éléments vont être mis en danger. Donc Nelgarm et ses chamans vont implorer les éléments et de détruire Goria, mettre fin à la vie
de Moloch afin de rétablir l'équilibre sur Draenor. Et finalement, eh bien, les éléments, les seigneurs éléments, les furies élémentaires, comme on les appelle sur Draenor, vont répondre à l'appel de Nelgarm et de ses chamans. Et à ce moment-là, il y a une véritable vague élémentaire, un cataclysme élémentaire qui va s'abattre sur la ville, sur la capitale de l'Empire Gorien. Puisque, en comprenant encore une fois que Moloch allait potentiellement mettre fin aux éléments, eh bien, c'est toutes les furies élémentaires qui vont s'unir. Et on va avoir des séismes, des tsunamis, des ouragans, des éclairs qui vont frapper Goria de partout. Ce qui va mais détruire complètement la cité, qui va tuer quasi tous les ogres présents. Et au final, l'échec terrible, l'échec qui aurait pu être terrible, l'échec des orques qui aurait pu être terrible pour Draenor va finalement eh bien, se conclure avec la destruction de la ville de Goria. Encore une fois, c'est un véritable déchaînement élémentaire. Et la cité est détruite, les ogres sont tués dans des situations horribles. Hein. Vous imaginez le sol qui se dérobe, t'as un tsunami qui arrive. Enfin, juste imaginez l'ampleur du désastre, l'ampleur du cataclysme. Et ça, eh bien, ça va mettre fin à l'Empire Gorien tel qu'on le connaît. Puisque les ogres se retrouvent isolés avec les autres cités-états qui vont avoir vent de la nouvelle de Goria, ce qui va peut-être que certains justement rescapés aussi vont pouvoir narrer ce qui s'est passé. Et au final, eh bien, les ogres seront effrayés à l'idée de continuer les expérimentations de Moloch sur les éléments. Donc plus jamais les ogres voudront jouer avec les éléments. Et au final, l'Empire Gorien n'est plus. Puisque ce sera une opportunité aussi pour les autres cités-états qui étaient dans l'ombre de Goria d'essayer de relancer l'Empire Gorien. Le problème, c'est qu'aucune cité-état ne va réussir à dominer les autres. Certaines vont peut-être réussir à absorber d'autres cités-ogres. Mais au final, eh bien, l'Empire Gorien va se diviser en plusieurs entités. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais notamment par exemple, eh bien, Aemol, qui entretiendra une très grande rivalité avec Fleshlam. L'idée, c'est un petit peu, vous savez, la destruction de l'Empire romain avec les restes de l'Empire romain d'Occident qui sont un peu éparpillés. Et nous avons l'Empire romain d'Orient qui, lui, reste stable. Là, il n'y a pas cette idée d'Empire romain stable, mais enfin d'Empire romain d'Orient de stable, mais il va y avoir justement cette partition en plusieurs entités ogres, mais ils ne retrouveront jamais l'union et la force qu'ils avaient sous l'Empire gorien. Finalement, Nelgarm et les autres chamans furent eux aussi effrayés par la colère des éléments. Et pour justement essayer de satisfaire les éléments, eh bien, ils considèrent que le besoin d'une armée orque unifiée est passé. Et il faut revenir justement à cette idée de ne pas réutiliser la puissance des éléments et déchaîner la puissance des éléments qui pourrait, encore une fois, eh bien, se retourner contre les orques. Elle s'est retournée contre les ogres, mais elle pourrait se retourner contre les orques. Donc, ça y est, c'est terminé, cette proto-horde. Et chacun repart dans son coin, bien sûr les Kosharghs sont maintenus chaque année. Et on va continuer à honorer les éléments. Donc les clans orques se dispersent. Et au final, eh bien, comme je le disais, les ogres eux sont déjà dispersés. Et au final vont essayer de se réclamer sur l'héritage de Goria. Même si les affrontements orques et ogres vont continuer, hein, notamment les Warsong, mais pas que. On en reparlera aussi dans une future vidéo. Donc, ce qui met une grosse rivalité entre les orques et les ogres, qui sont pourtant des cousins, hein, au final, dans la lignée de Gronde, ce sont vraiment les cousins directs. Donc, eh bien, vous continuez à se mettre sur la tronche. Et ça, c'est super important, parce que l'échiquier des forces de Draenor a été chamboulé. On a les orques qui deviennent de plus en plus territoriaux, qui chassent les ogres, et qui deviennent un peu la première puissance de Draenor. Mais le truc, c'est que l'échec de l'Empire Gorien, ça ramène d'anciennes forces qui avaient été vaincues, comme les primordiaux, hein, la lignée hein, des primordiaux, donc les êtres, les botanies, les êtres végétaux, mais aussi le retour des Gronn et des Ogronn qui avaient été matés, mais qui n'avaient pas été totalement anéantis, donc qui peuvent reprendre par-ci, enfin, petits endroits du territoire. Et encore une fois, même si les orques restent légèrement au-dessus, il n'y a pas d'union centralisée comme c'était le cas sous l'Empire Gorien. Donc au final, eh bien, toutes les pièces sont sur l'échiquier, mais une nouvelle pièce va arriver. Et c'est à cette race qu'on lui doit le nom de Draenor. C'est tout simplement une force qui va émerger du cosmos et arriver sur Draenor, les Draenei. Et ça, ce sera tout simplement le sujet de la prochaine vidéo où on reviendra sur l'histoire complète des Draenei. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette longue vidéo. J'espère qu'elle aura quand même été agréable à suivre malgré mes coups de gueule permanents parce que, encore une fois, le problème, c'est que c'est l'écriture
C'est dommage parce que concrètement, cette histoire avec l'Empire Gorien contre les clans orcs, les proto-clans orcs, c'est assez intéressant, mais le truc c'est qu'au final, on ne cherche pas vraiment à s'y intéresser. On veut juste refaire une ascension de la Horde 2.0 ou 0.0 teintée de cataclysme. Et au final, est-ce qu'on va travailler les clans? Est-ce que, par exemple, c'est le génie stratégique militaire qui a été fait de séparer les cités ogres, etc. On ne sait même pas à qui on l'attribuait. Est-ce que c'est Nelgarm? Est-ce que c'est des commandants directs? Ça aurait été l'occasion de dire que, justement, les Blackrock se sont illustrés de fou pendant cet affrontement, etc. Et qu'ils ont gagné le respect des autres. Et qu'on puisse comprendre que plus tard, bah, les Blackrock seront les chefs de la future Horde et tout. Il n'y a pas ce truc-là. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ça aurait été un clin d'œil anachronique. Mais ça peut être bien fait, en fait. Et que c'est les plus nombreux, etc. Ça aurait pu être bien fait. Ou limite, justement, c'est pas les Blackrock les plus nombreux à l'époque, mais dans cette guerre-là, il y a un clan qui va en prendre plein la gueule et qui perdra cette primauté qu'il avait sur les autres. Et du coup, ça explique pourquoi les Blackrock deviennent le clan orc le plus connu plus tard, des centaines d'années plus tard. Enfin, je sais pas, mais en fait, je trouve que c'est extrêmement maladroit et très mal fait. Et à certains moments, en plus, ça contredit complètement. Ils se contredisent eux-mêmes. En l'espace de quelques pages, hein, vraiment, c'est. Il y a une page, c'est les Warsong, machin, oh, ils se foutent sur la gueule avec les ogres et tout. Et, là, et deux pages après, t'as. Oh, il y a aucun affrontement entre les ogres et les orques. Bon, deux, trois escarmouches, mais rien de mal. Mais les mecs, ils vouent leur vie, des générations entières d'orques qui se foutent sur la gueule avec les ogres et qui se complaisent dans la destruction de l'ogre en hommage à la cinématique de Wood. Enfin, je sais pas. Mais bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'arrête parce que là, je me répète. Je vous fais plein de bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. À plus dans Nexus. Oui, bonjour. Je suis Vélène et j'arrive dans TDM. Je vais venir vous raconter mon histoire dans la prochaine vidéo. Mais d'abord, n'hésitez pas à liker et commenter cette même vidéo. Bah non, elle est pas encore sortie. Oh, celle-là, oh, je me suis perdu. Je suis vieux, vous savez, je suis vieux. Bisous.